Pour ouvrir la seconde partie, nous avons l'habitude de faire appel à un professionnel de la musique. Et ce soir, c'est le ténor marseillais Marc Filograsso qui poursuit actuellement une carrière de récitaliste dans les répertoires essentiellement français et italien. Pour l'ensemble de ses réalisations, vous pouvez consulter la quatrième page de couverture du programme. 5 mélodies ce soir, 2 françaises et 3 italiennes. Alors pour commencer, Après un rêve très connu de Gabriel Fauré, donc fin 19e siècle. Ensuite, À sa guitare de Francis Poulenc, 20e siècle. Et puis les trois italiennes, du napolitain Paoli Tosti, fin 19e aussi, et dont je vais découvrir le titre sur le programme. Voilà. Au piano, pour l'accompagner, Laurent Bartaza, professeur de mathématiques en MP. Sous vos chaleureux applaudissements. Thank you.
par qui seul je l'ai soit, je l'ai soit, je range en chante les amours que je reçois, les amours que je reçois. Oh, defunto.
fantasy e il terrore che mi invadono. Il mio corpo non muore, eppur sembra che io viva oltre la vita. Sembra che in cieli naturale forma con la sera divina si congiunga, poiché l'immensa ombra del ciel prolunga i tuoi capelli in una sola forma, in una sola nella stagione dell'anno, quando è tiepida l'aria e il cielo è sereno, quando le rondine il nido fanno, quando di nuovi fior son al terreno, vorrei morire. Quando sul prato dormo le viole, lieta farebbe addio l'alba ritorno a primavera e sul morir del giorno. Vorrei morir, vorrei morir, lieta farebbe addio l'alba ritorno a primavera e sul morir del giorno. E sul morir del giorno. Quando è in furia il nembo e la tempesta,
festa, allor che l'aria si fa scura, scura. Quando ai rami una foglia più non resta, allora di morire avrei paura. Vorrei morire, vorrei morire, vorrei morire. Quando del tramonto alle sole, quando sul prato dormo le mie ore, lieta farebbe addio l'alma. Oh,
Quel succès! Changement total de registre, c'est obligatoire. Nous allons sortir le cor, C-O-R. Un instrument pas facile, et le corniste est Lilian Drofiak, de MPSI 2, en fin d'études au Conservatoire de Toulon, accompagné au piano par Chantal Wong, que nous avons déjà entendu, de Cagnael, en fin d'études également au Conservatoire de Marseille. Il nous interprète un intermezzo du compositeur russe Reinhold Glier. On les accueille comme il se doit. Newton a fait son expérience en laissant tomber une pomme. Beethoven en a pris quatre pour faire son célèbre thème « Pom, 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 pom ». Et, ben oui. À présent, on revient à la chanson française récente avec la musicienne et chanteuse Pomme, avec un P majuscule, 25 ans, avec sa chanson un peu triste « Sans toi ». Sortie en 2016 et interprétée ce soir à la voix et à la guitare par Alexandra Tranier de 2PCPST3. Elle est déjà là, on l'encourage. Je suis descendue du train, Paris au petit matin, sans toi. Ce matin j'ignorais Dieu que ma vie commençait sans toi. Une sorcière je suis devenue folle, une vipère j'ai croqué la pomme sans toi, sans toi. Je dois m'y faire que j'ai sur les épaules un bulldozer et le mauvais rôle sans toi, sans toi. Et la nuit tombée
ne plus jamais pleurer. Je chasse de trois paires de bras pour m'y réfugier, seulement le temps d'un baiser pour ne plus jamais me voir sans toi, sans toi, sans toi. Les lendemains sont les mêmes. J'ai le cœur en quarantaine sans toi. Paris ne veut plus rien dire si je dois la conquérir sans toi. Des chants de guerre depuis je compose, et dans mes airs je te tue en prose sans toi, sans toi. M'en fout la bière, m'en fout la cirrhose, un dernier verre, une dernière dose sans toi, sans toi. Et la nuit tombée, pour ne plus jamais pleurer, je chasse de trois paires de bras pour m'y réfugier, seulement le temps d'un baiser pour ne plus jamais me voir sans toi. Léopold Bonvalet est un pianiste de PSI Étoile. Il nous interprète le célébrissime prélude en ut dièse mineur de Serge Rachmaninoff. Pas facile à jouer, alors on l'encourage. Thank you.
La chanteuse soul britannique Amy Winehouse est née en 1983 et morte en 2011 à 27 ans d'une overdose. Sa chanson la plus connue, Back to Black, est sortie en 2006 et a été vue 726 millions de fois sur YouTube, mais ça c'était la semaine dernière. Ce soir, elle est chantée par Jeanne Aubert, accompagnée au piano par Mathis Conrad, tous les deux de deux PCPST2, c'est ça. On salue le moment d'émotion. De nombreux Alléluia ont été écrits, mais il en existe deux qui sont les plus célèbres, celui de Handel de 1741 et celui du Canadien Leonard Cohen, plus récent, de 1984. Et c'est ce dernier qu'il nous est donné d'entendre ce soir. À la voix, Julie Ménard de PC et Tikinas Chabour de 1 PCPST.
À la guitare, Lola Arismendi. Et au piano, Ariane Colson, toutes les deux de 1, BCPST2 également. On accueille cet énorme tube que vous allez tous reconnaître. Ça sonne tellement bien qu'on dirait du Simon et Garfunkel. Ah, si, c'est très bien ça. Il aura fallu attendre 32 ans pour accueillir pour la première fois un luthiste au concert des prépas. Le luth, d'origine égyptienne, a été introduit en Espagne à la suite des conquêtes arabes. Il a gagné toute l'Europe où il a été très en vogue à la Renaissance et en particulier à la cour de François Ier. Avant d'être progressivement remplacé à la période baroque par le clavecin. Romain Massol, de 2 BCPST3, formé au conservatoire d'Annecy, nous interprète trois courtes pièces, deux traditionnelles, et l'une du compositeur anglais John Downland, qui vécut à la fin du XVIe siècle, début du XVIIe. Cela nous ramène quatre siècles en arrière. On l'encourage. N'applaudissez pas entre les trois morceaux. Merci.
Si le déroulé de toutes ces opérations vous semble sans accroc, c'est parce qu'il y a eu un très gros travail de fait depuis ce matin, 9h, que nous sommes tous sur le plateau. Alors il y a des gens que vous ne voyez pas tout simplement parce qu'ils sont en régie au fond de la salle. Alors j'ai nommé Pierre Bougour qui est au technicien son, qui est le technicien son. Cela signifie qu'à la répétition générale, tout a été soigneusement noté sur une tablette avec des curseurs, etc., enregistré pour pouvoir être reproduit le soir même de manière identique. À la conduite lumière, c'est-à-dire à l'éclairage, au spot, etc., il y a eu Philippe Vitali ce matin, cet après-midi, remplacé par Grégoire ce soir. Chaleureux applaudissements également. Ceux, en revanche, que vous avez vus apparaître parce qu'ils sont occupés de l'espace scène, à savoir mettre les micros, mettre les pupitres, régler le piano ou alors mettre les prises jack, eh bien, ce sont des adhérents du FSE, du foyer socio-éducatif. Emmanuel Moreau. Jean-Paul Latil. Et Matteo Mavromatis. Tous ont travaillé sous la direction du régisseur général, je nomme Arnaud Delmotte. Sans oublier à l'administration, Annick Darpon. Aucun accroc, l'ambiance était particulièrement sereine, aucun énervement, aucun retard, même un peu d'avance des fois. Et c'est comme ça qu'on a l'impression que tout se passe admirablement bien. Bravo à tous. Gabriel Fauré. Fin compositeur français de la fin du 19e siècle et moins connu que ses successeurs Debussy ou Ravel, sa musique est pourtant toute pleine de charme, comme nous allons l'entendre dans cette sicilienne extraite de Péléas et Mélisande, à la flûte traversière Toby Petit Forestier de MPSI 2 et au piano Virgile Mineur d'Hippocagne BL. On les accueille chaleureusement.
Oui, j'ai oublié de vous signaler tout à l'heure que nous avons évidemment des frais. Il y a la location incompressible de la salle, il y a le transport du piano, il y a la vidéo qui sera sur YouTube dans quelques semaines après le travail de mise en forme. Et donc, à la fin du concert, nous allons disposer 5 élèves aux 5 sorties afin que personne n'y échappe, avec des chapeaux bien retournés, vides pour l'instant. Et nous comptons évidemment sur votre générosité si le concert vous a plu. Le Marseillais d'origine italienne Yves Montand chante Les Feuilles Mortes en 1949. Il avait 28 ans, sur des paroles de Jacques Prévert et une musique de Joseph Cosma. C'est un des plus grands succès de l'après-guerre, avec, tenez-vous bien, 1 million de 78 tours vendus. 78 tours, vous ne les avez pas connus, mais c'était des grosses galettes avec 5 ou 10 minutes de chaque côté, et tout le monde, après la guerre, n'avait pas les moyens d'acheter un gramophone. Donc c'était considérable. Le micro-sillon, je vous rappelle, n'est apparu qu'en 1954, et encore en mono, il a fallu attendre 1958 pour l'avoir en stéréo. Dans la version orchestrale jazzy de ce soir, Dorian Rousse de MP-Toile 1 est au saxophone, alto. Il a été au conservatoire d'Aubagne. Mathias Alliot de MP-Toile 1, toujours à la batterie. Jean Cessa de MP-Toile 2 au piano a suivi les cours à Miramacistre au conservatoire. Et chez Nosso, Adriano Akagi, c'est un peu difficile, est à la basse. On les applaudit très fort pour un final détonnant.
Ils sont jeunes, ils sont bourrés de talent, ils sont excellents musiciens. Vous avez vu que j'ai cité au moins une quinzaine de conservatoires dans toute la France et ils méritent de bien réussir. Mais avant, je vais leur demander à tous les élèves musiciens de revenir sur scène pour qu'on les applaudisse très chaleureusement. Voilà. Prenez les escaliers, voilà. Là aussi, de ce côté-ci. Et voilà, le concert est à présent terminé, mais il me reste une petite chose à vous dire. Si les 32 premiers concerts vous ont plu, alors revenez l'année prochaine. Si celui-ci ne vous a pas plu, alors revenez quand même parce que ça ne sera plus moi, et ça sera différent et certainement mieux. Celui qui me remplace, car il y a un successeur, c'est Frédéric Isoletta, c'est le professeur de musique du lycée et qui dirige l'orchestre au conservatoire. Il est malheureusement pas là ce soir, nous devions faire un duo sous forme de passation de témoins, lui au piano, moi à l'accordéon, mais il a fait du ski, il est passé sous une avalanche et il n'a pas pu se déplacer ce soir. Voilà, donc on l'applaudit, on l'encourage pour l'année prochaine. Bravo à tous.